Hop, allez, on va même directement aller faire la première mission. On mange assez de niveau, on va pas perdre de temps plus que ça. On enchaîne comme full chaîne. On enchaîne. J'enchaîne le mur aussi. Est-ce que vous avez apprécié ma prestation ce matin? Pour ceux qui étaient là, parce qu'il n'y avait pas la VOD, j'ai fait un petit peu de DJ. DJ Diablo. Si vous avez loupé ça, tant pis. Enfin, je vous passerai le son peut-être entre la pause. Même si l'enregistrement dure une heure. J'ai fait pratiquement une heure. Bon, après, j'ai surtout des passages de musique, hein. J'étais un peu rouillé. Alors, par contre, là, hop. Je vais faire le panneau. D'ailleurs, merci à Goncalo, Twitter qui a follow ma chaîne. Ça va, un follower par jour. Bon, ça va être un peu compliqué là si il reste 7 jours. 8 jours parce que c'est le 31. Il reste 8 jours pour atteindre les 1100 followers. On est à 1083. J'ai perdu des followers d'ailleurs. Je crois que j'étais à 1085 en début de semaine. Bon, après ça vient, ça part. On fout un petit peu des followers en vrai. Ouais. C'est les viewers qui m'intéressent maintenant. Si je propose du coup que personne regarde, à quoi ça sert? Bon, tout ce qui est jetons, tout ça, je le ferai plus tard. Allez, hop. On est parti pour Hazard Company. Il n'y a pas de G dans Company, je crois. J'ai mis quoi dans le titre? Je sais plus. Nous sommes Hazard on Company. On est des ploucs jusqu'à l'os, mais ça nous empêche pas de mener une vie bien plus agréable que la vôtre. On a du fric plein les mains, de la terre entre les orteils et le ciel bleu à perte de vue. Nous sommes Hazard Company. Yes, 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 Hazard Company. Il y a un CD, je crois, le boss, hein. Rossman. Yes. Je me demandais quand tu viendrais rôder par ici. Tu m'attendais? Bien sûr. J'attendais avec impatience le mythique pilote tout-terrain Sean McAllister. Ouais, ok. Écoute, moi je viens piloter. Ouais, ouais. En même temps, je peux pas affronter tous les pilotes qui ont une bonne réputation. Arrange-toi pour suivre la cadence. Tiens, essaie de venir à l'aérodrome en un éclair. Ce sera le test. Allez, c'est parti. D'ici à l'aérodrome, ça devrait le faire. On va drifter, allez, on va drifter de 2 km. Normalement c'est faisable avec la VR. Montre-moi que toutes ces histoires sont déjà vous. Des légendes. Eh non, regarde et admire. T'es chaud bouillant toi. Force à drifter parce qu'il y a les virages. Hop, on va enchaîner, enchaîner. Bon, vraiment, la semaine prochaine, il n'y aura pas de payback. C'est vraiment juste de terminer. La semaine prochaine, je pense que je vais reprendre American Fugitive aussi. C'est un jeu que je traîne aussi depuis un petit moment et que on est bien avancé dessus. J'ai déjà terminé les SP où je suis très bien, très, très avancé. Avant de continuer les esprits où je suis au tout début, vraiment très proche du début. Bon, je vais organiser comme ça maintenant. Comme ça on boucle tous les esprits au mois d'avril, si je peux. Et comme ça au mois de mai on repart sur des bonnes scènes avec des nouveaux jeux. Pas forcément les esprits d'ailleurs.
Je vais essayer de faire. Enfin, je vais faire. Je vais essayer, je vais faire. Nouvelle émission. Peut-être en mai. Par rapport à Epic Game Store. J'ai gratuit qu'une Zoff là. Est-ce qu'ils sont bien? Le pitch, parce que les jeux gratuits qu'on nous offre parfois sur Epic Games sont bien. Donc je testerai les jeux pour savoir s'ils sont bien. Est-ce que ça vaut le fait que ça gratuit? Est-ce que bon, voilà, on peut être amené à investir un peu d'argent dedans en prenant des DLC, etc. Ou alors si c'est vraiment le jeu mérite d'être gratuit, limite, est-ce que pas mieux nous payer pour y jouer? Si je pense que les jeux sont quand même bien. Tranquille. Tranquille. Ah, c'était tranquille ça. J'ai battu le score en plus, ouais. J'ai même pas fait gaffe. Bon, ça va, le tout terrain pour l'instant. Enfin, en tout cas, la première épreuve, ça va. Je dis pour l'instant et la première épreuve parce que, hein. Si vous me connaissez, je peux galérer des quelques fois sur certaines épreuves. Surtout que le tout terrain avec les femmes, je vais restart de 3 femmes une course. Hein. C'est sûrement le meilleur temps intermédiaire de cette course. Tu dis ça pour me faire plaisir. C'est pas mon genre. Je vois ce qui a posé un problème aux autres crews. Crois-moi, avec nous, tu vas vivre les meilleurs moments de ta vie. Tu vas participer à des courses comme t'en as jamais couru. Depuis Free Emperor Militia, j'ai eu plus que ma dose de taré. T'es taré, hein? Ok, la prochaine course est à ma centrale solaire. Tu viens? Ta centrale solaire? Ouais, mon pote. C'est un cadeau du clan. On se voit là-bas. Première course avec les pantins du clan. Ça va, Mac? Bizarre, Ty. Déjà, je dirais qu'Holtzman n'est pas un connard. Quoi? Il est mouillé jusqu'au cou avec le clan. Je sais, moi aussi, ça m'a perturbé. Bon, ok. Surtout, garde-le toujours à l'œil. Ouais, sans faute. Oh là. La centrale solaire de Fortune Valley? Alors moi, je préfère largement les énergies fossiles. Il y a déjà essayé ça. Ça se répète. 350, 320. 7 secondes dans l'air. Ouais, on va avoir des sous du coup. Attention, il paraît que ça va secouer. Moi, je veux voir un crew au top. C'est tout ce que j'aime. C'est parti. Déjà vous. Vous êtes pas bien, les gars. Il m'a fauché là. J'étais une Ford Boss, je crois, devant. Ça se plante, ça se plante. Ça m'envoie dans les airs. Oh. Incroyable, ça m'a pas donné la scène, la cinématique en quoi je m'étais planté là. Alors que clairement, je t'en échoue. Je vais passer en tête, merci. Ils sont un peu coriaces là, quand même. Reste kilomètre. Saute, bébé! Reste piche devant avec sa. Sa cox. Ah, trop bien! C'est maintenant qu'il faut y aller. Si ça embête personne. Oui. Impeccable. Hop, victoire. Tendu, mais c'est victoire. Ouais. Allez.
Mec, c'était dingue. Carrément dingue. T'as battu mon crew. C'est pas croyable. J'espère que tu vas rester un peu avec nous. Ouais, bien sûr. Super. Un talent pareil, ça peut servir à mettre la main sur ces pièces. Hein? T'as intérêt à slalomer comme un chef d'ici la prochaine course. On se voit là-bas. Hop, ça va, ça vite là. Ça vite. On a dit à la ville de laisser des déchets sur le parcours, pour le fun. Essaie de t'en sortir. En gros, quand tu demandes un truc à la ville, elle le fait. Mais avec nous, l'avantage, c'est que tu peux demander à qui tu veux de faire tout ce que tu veux. C'est pas le rêve, ça. Non mais t'es sérieux là ? Ah c'est trop beau. Bébé. Je déchire tout aujourd'hui. Ah mais oui, il est doux lui. Dalle. Oh, comment ouais. Walking Dead toi. Pour mourir dans Walking Dead là. Désolé pour les spoils. Eh hey, mais pourquoi tu bouges pas? Ah bon, j'ai oublié de le prendre, tant pis. Il y avait un jeton. Allez, gougou. Oula, 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 sinon ça passe. Si les murs invisibles. Moi j'étais dans le décor. Waouh, quel rush! Encore battu, presque battu là, en tout log. Yes, déjà la moitié de fait. Ça va vite, hein, ça va. Tant que j'arrive à finir du premier coup, je vais faire le... Holtzman, ton crew c'était du très très haut niveau. Eh ouais. Pourtant, il n'y avait pas pire pilote qu'eux avant. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est grâce au clan. Il nous a donné un bon coup de pouce, si tu vois ce que je veux dire. Non? Comment ça? T'en fais pas, tu verras. T'as toujours envie de piloter, pas vrai? Bien sûr. Bien. Ty, il se passe un truc avec le buzzer. T'as des infos? Pas encore.
mais ces bagnoles sentent l'embrouille. Je fais le max, mais pourtant, il n'y a pas moyen de les suivre. Ok, mène ton enquête. Mais Mac, prudence. Comme toujours. Je vais même pas relever, tiens. Ouais, cheval! Elle m'a pas compté le panneau, quoi. Non, je l'ai cassé, là. Un beau petit bug encore. Bon, je vais prendre la caisse. Hop. Yes, les flics. C'est demain que ça fera vraiment mal. On se réveille. Hop. Trop rapide, trop rusé. Un peu de pognon, un peu d'XP. Non, y a plus pas d'XP. Mais... D'ailleurs, ouais. 38. Bon. Après c'est celui-là qui est compliqué comme ça fuit. Loaven. Je crois qu'il y a plein de gens qui gardent dessus. Avec la panne MRA. Alors qu'il faut pas avoir la panne MRA, c'est trop lourde. 15 secondes en l'air, ouais, je crois qu'il y a plein de sous d'ailleurs en plus. Juste une course autour du lac? Ton crew s'appelle bien Hazard Company? On cherchait un bel endroit isolé pour mener quelques tests. Tu verras. Je vais tous vous mettre sur le cul! Thank you.
Continue, Mac. En fait, y'a pas trop de sous de ça. Y'a pas tant que sous de ça. Ah, quoique. Pas question que tu me doubles. Fais gaffe! Geronimo! Change rien, Mac. Pas maintenant. Yes, t'inquiète. Lâche pas. Oula. Yes. Ça, j'ai assez d'avance. Victoire. Victoire de la déjà vu car. Super. Yes, battu le score. Quoi que ni aucun ça. Parlons peu, mais parlons bien. En gros, tu m'expliques que le clan prépare tes voitures? Mais enfin, tu penses que ces rednecks sont vraiment d'aussi bons pilotes? C'est vraiment tordu, cette histoire. Il faut faire ce qu'il faut pour pouvoir vivre son rêve à fond. Tu vois de quoi je parle, hein? Hein? Ouais. Le rêve à fond, c'est ça? T'as pigé. Tiens, j'ai une idée. La prochaine course aura lieu à l'un de mes chantiers. T'es de la partie? Bien sûr. Ok, autant le dire tout de suite. Je fais le verre un piège. Et tu vas quand même, c'est ça? Bah, faut ce qu'il faut. Et puis, je dois bien avouer que c'est très excitant. C'est bien la pire raison possible pour rouler droit vers un piège. J'aime surprendre. On se retrouve de l'autre côté. Ça, on voit du lourd, la BDR. Faire question. Ouais, carrément.
vieux. Fais gaffe, vieux. C'est une blague! Yes, je l'ai semé. Fast for you, man. Ah, trop bien. Je me rappelle ce jeu. Attention, j'ai qu'un point d'indice performance supérieur à ce qui est requis. C'est peut-être un peu plus compliqué. Dans 2 ans, le clan pourra dire qu'il possède la plus haute tour de tout l'ouest des États-Unis. Mais pour le moment, profite bien de la course. Get the point.
Vas-y, poursuis-moi. Tu me dépasseras jamais. Pareil à faire. C'est pas que j'en ai eu un. Il y a une deuxième course derrière. Je sais que la dernière course c'est au niveau de. Des versoirs là. Bah c'était simple hein. Vraiment simple. Ah, ensuite. Les flics, j'en étais sûr. Mais quel idiot! J'aurais dû faire plus attention. T'es qu'un crétin à deux balles. J'ai voulu être sympa avec toi, t'intégrer à la famille et tout. Et voilà le remerciement. Le clan mérite pas un pilote comme toi. Tant mieux. J'aurais jamais couru pour ces connards corrompus. Je suis trop bon pour vous, les guignols. Yes, et voilà. Putain, deux secondes près. Hey, dernière épreuve. Ça y est vite, là. Pas une heure, je pense. Je sais. Quoi? Hey, 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 hey! Minute, c'est
Paulsman. T'es qui? Un membre du crew. Écoute, on n'est pas tes plus grands fans, mais ce que tra Molsman avec le clan, c'est pas bien clair. Explique! J'ai des infos pour toi en gage de bonne volonté. Molsman traîne près des collecteurs d'eau, bosse sur un nouveau parcours. Tu veux le défier? Va voir là-bas. Merci bien. T'étais pas obligé. Nah, c'est rien. Sérieux, c'est vraiment pas la peine de s'en tromper. Hop, 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 j'arrive tranquillement. Après, on monte sur le live, là, salut. Je crois qu'il y a un spectateur, hello. La mission, hop. Bon, il est un peu plus élevé que moi, mais normalement, ça devrait quand même le faire. En moins de 2 minutes. Donc, il y a un tour en moins de 2 minutes. Informateur. On s'en fout! Ton crew apprécie pas vraiment tes sales coups. Tu veux en voir des sales coups? Je vais t'en montrer, moi. Je vais t'exploser! A plus, Holtzman. La Mia, elle a du mal. Tous les bugs de collision qu'il y a, aussi. Ça m'étonne pas. Tout ce matos doit alourdir ta bagnole, Holtzman. Ce matos vaut beaucoup plus que toi. Encore m'envoyer les flics, Holtzman? Cette fois, c'est entre toi et moi. J'ai promis à mon vieux pote le percepteur que je m'occuperai de toi. Vous êtes pote? La vache, j'aimerais pas venir à vos teufs. Aéromac! Ça va être pas trop long. Yes, ça toupie. Et comment tu sais sur quoi on enquête? Disons simplement que j'ai des amis. On a tous des amis, Holtzman. Pas comme eux, gamin. Pas comme eux, non. Il
toi et ton petit crew, vous commencez vraiment à me taper sur les nerfs. Tu l'as mal pris parce que j'ai pas mordu un hameçon ? Quand le clan s'occupera de toi, tu le regretteras. Ton enquête va t'apporter des ennuis, gamin. Cheval! On est presque au bout, Hutchman. T'es où? Fais gaffe, je suis juste là. Ouais, bébé! À l'assaut! Saute, bébé! En plein vol. Hop. Moi, je résiste minutes. Toujours au sale coup. À 3,43, ouais. 3,43, chaud, hein. Ouais. Ah, c'est fait. Le souterrain, c'est fait. Putain, même pas une heure. Une heure de live, mais pas une heure. Wakan, pas mal ça. Wakan coupé. Murcella, go. Et les voitures, ok. Bon, bah voilà. Hein. De fait, encore. Plus que le drag et la mission. Limite, le drag, je pense qu'on va le faire à la fin. On va faire à la fin de la drag. On va faire la mission après. Ça sera dans un autre épisode, mesdames et messieurs, je vais faire la caisse et après on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 20 déjà. Une sorte de payback. Au final, content là. J'ai enchaîné toutes les courses du seul trait. Pas de restart. Heureusement pas grand-chose sur le live. Pareil pour le drag et l'émission, ça sera parfait. Hop. Ha! Liberté! Freedom. Décollage! Oh ouais!
ils peuvent tout de Speed Force ici. Bon, du coup, vu qu'il nous reste 15 minutes tranquille, je vais pas faire la Cup of the Day sur Tacmana aujourd'hui. Pour ceux qui se demandent, et c'est vraiment le cas. Alors, je diffuse dans cette vidéo. Il n'y a pas grand monde. Ah, un jeton. Un jeton. Bon, je vais me balader sur la map là. Je vais essayer d'aller chercher les jetons. Si je peux pas les jetons. Cher pilote, ici la gardienne. Il n'arrive que des bonnes nouvelles du centre-ville en ce moment. Mais il y en a une qui me fait très plaisir. Chers amis, Mac a mis une belle rouste à Holtzman de Hazard Company. Je peux pas dire que je le plaigne. À ceux qui m'écoutent, si vous croisez Mac dans les rues, klaxonnez deux fois de ma part. Mac, c'est vrai? T'as battu Holtzman? Ouais. Ouais, je veux dire, bien joué. Geronimo! Hop. Une petite miniature pour la vidéo peut-être. Date. Non, je m'arrête plus pour faire des screenshots, hein, autant les faire directement. Course. Vas-y, je le tente. Ah. Il est en course, moi je suis en tout terrain. Yo, c'est parti! Remarque, je crois que je l'ai battu aussi en tout terrain l'autre fois. Mon drag, je sais plus. Dans la yes. Zero Six. De, déjà, mais vu que je l'ai monté à fond, je vais l'utiliser, hein, mais peut-être pas pour toutes les épreuves de drague. Il n'y en a pas.
Parce que du coup, je pense que je vais pas me faire chier pour l'émission, hein. Je vais utiliser la Porsche. Ah non, sinon j'ai le Range Rover aussi. J'ai l'un et l'autre. C'est vrai que j'ai la Porsche. Le Range Rover. Le Range Rover. Et en drag, donc c'est ce véhicule là que j'avais monté à fond. Le seul qui est à fond du coup. Et je pense qu'on va essayer de monter une deuxième. J'ai bien chaud pour monter la Dodge. Alors, remarque, j'ai fait pas mal de thunes là. Je suis repassé 22 millions. 300 000 là. Ça pousse. À fond. Dans le dernier follower, et bien sûr, c'est Goncalo. Goncalo. Pas 18, je pense pas ça rentre.
qu'il se dit comme ça. Bon, à la limite, les raves, vous savez quoi, on va faire une pause et je vais enchaîner avec l'épisode suivant, en fait. Je suis bien déter pour faire le drag. Ça va être pas mal ça en drag. C'est pas mal en braque ça. Hop, mat là. Et petite pause et je reviens dans 5 minutes.